Merci pour fidélité au TNH, nos affaires, information. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal mi-temps journée. Tout de suite, information yo en détail, conseiller président République là, Jules Charles Faustin, qui t'a participé dans l'émission mise au point lundi 22 octobre là, fait lumière sur changement qui fait dans l'administration Palais National, particulièrement dans le cabinet président. Jules Charles Faustin expliquait changement ça yo fait une façon pour la justice qui a fait travail li, faciliter lumière fait sous gestion quelques dans conseiller yo qui t'a géré l'agent l'État. Conseiller Jules Charles Faustin renouvelé engagement chef l'État haïtien Jovenel Moïse pour travailler avec tout secteur dans la société et puis continuer à kembe instabilité dans le pays. Nous invitons à suivre un extrait. Le président a fait sortir des tweets et on a tweet c'était demandé pour que tout le monde qui était ordonnateur et de fonds Petro-Caribé de 2008 à 2016, donc c'est moi qui pourrais mettre précision ça, ok, et pour que tout le monde ça yo. Et même si nous connaissons le principe qui dit que ou censé innocent jusqu'à prononcer un jugement, ok, donc le président a demandé pour que et tout le monde soit capable de mettre au disponible pour la justice dans le cadre d'un procès équitable et des fonds, de l'utilisation des fonds du Petro-Caribé. Donc c'est pas une sentence qui est prononcée contre quiconque, ok, mais c'est plutôt président Dakadou, parce que l'on a dirigé mon pays, il faut grand pile humilité. Et humilité à mander qui ça, des fois, il faut tendre, il faut réajuster. Mais nous sommes capables de dire l'indor, et à côté de tout ça, et nous voyons que à travers l'autre administration, toujours même des fois, fait une analogie, l'autre administration, par exemple, si nous avons l'administration américaine non, avec le président Trump, ça fait plus de 3 changements profonds déjà au niveau de son cabinet. Donc, président, après 20 mois, et de son administration, on croit que il est venu un bon moment pour qu'il soit capable et opérer certains changements au niveau de cabinet particulier. Le président, depuis l'arrivée, il prend une grosse décision qui s'est fait les états généraux sectoriels de la nation. Parce que il connaît un problème, il connaît que faut que le pays a parlé avec lui-même et pour qu'il soit capable de joindre à côté de tout effort à faire pour que il soit capable d'implémenter la vision que lui a comme chef de l'État, mais également les bail possibilités pour que nous soyons capables de re-questionner ensemble de bagailles dans le pays et pour que gain de correction en profondeur qui potait ni dans la constitution pays ni dans gens institution a fonctionné. Donc président il pas fait dialogue avec personne, mais cependant si président gain bagaille il pas d'accord avec lui, il pas d'accord avec mensonge là, il pas d'accord avec moun Dakadou qui a créé situation pour déstabiliser pays a, il pas d'accord avec moun qui a volé l'État. L'autre nouvelle, président Sénat Joseph Lambert fait qu'on est changement cabinet à conseiller la présidence là dépend des présidents lui-même pouvoir législatif là pas qu'à entrer la donne. Yon l'autre bord Joseph Lambert quoi pays a sous route pour gain procès sous Petro-Caribéa. C'est dans ce sens ça, Sénat a été transféré dossier à devant instance compétente. Yo. Yon extrait dans micro Fédéric Confident à Moïse Ulbridge. L'exécutif, c'est exécutif. Je suis du législatif. Et par conséquent, c'est à président et président lui-même de juger de l'opportunité ou non pour lui prendre telle mesure que de droit au plan administratif et politique qui allait dans le sens du travail que l'a fait. Les conseillers, tout comme des ministres, premier ministre, secrétaire d'État, il n'y a pas l'autre bagaille que l'expression politique d'un moment politique. Ça, c'est l'expression d'un moment politique. C'est exactement ça lié, mais pas gain, aucun rien de sorcier dans ça. Politique, elle est dynamique. Et c'est côté dynamique question hein, qui fait que des fois, et à tout moment, il y a de nouvelles dispositions qu'il y a adoptées, il y a de nouvelles stratégies qu'il y a développées, et il y a de nouvelles mesures tout, que on apprend. L'important, c'est que comme le peuple haïtien, comme vous autres, d'ailleurs, nous-mêmes au Sénat de la République, nous voulons qu'on ait côté l'agent Petro-Caribé. L'usage qui fait de l'agent Petro-Caribé, hein, dans quelles conditions dépenses faites, mais nous-mêmes n'avons prêté au plan institutionnel pour nous traiter question. Sénat joue rôle pâle au plan institutionnel. Le dossier maintenant est par devant la Cour des comptes et par devant la justice.
eh bien, que les autres pouvoirs, les autres institutions de ce pays prennent toute disposition qui s'impose pour que la lumière faite sur question ça de ceci de façon non partisane et équitable. Le Sénat a gardé en vie le dossier Petro-Caribé. Le Sénat a donné vie au dossier Petro-Caribé. Parce que le Sénat a choisi pour qu'il pas font vote politique par des hommes politiques. Et choisi pour lui transférer le dossier à bail l'institution étatique appelée à bail une certaine vérité sur lui. Sous Bopal, président chambre député à Garibodo qui t'a réagi sous décision président de la République là, Jovenel Moïse prend pour changer plusieurs membres dans le cabinet a fait qu'on est dans quatre principes séparation pouvoir, c'est un mezi qui concernait exécutif là. C'est pendant parlementaire a dit, il souhaitait changement ça yo, renforcer travail exécutif là à entreprendre pour satisfaire revendication population. Toujours dans le micro Fédéral confident avec Moïse Lubich. Nous voyons dans la presse que le président fait changement dans le palais national là, nous mettons l'autre secrétaire général, nous mettons l'autre directeur de cabinet, peut-être dans volonté président pour insuffler une autre dynamique dans le cabinet li, par rapport à résultat que la poursuivre, li fait et changement ça yo. Donc nous même en ce qui nous concerne, nous pas gain aucun commentaire à faire sur ça. Pouvoir exécutif là, nous connaissons pouvoir qui gain deux branches, son pouvoir bicéphale lié, donc dans la branche palais national là, il y a des changements qui fait. Donc nous espérons que le changement ça y a porté résultat par rapport à ça, le président Jovenel Moïse a poursuivre comme objectif. Cependant, par rapport à la manifestation du 17 octobre là, nous on est venu là, donc nous féliciter le peuple haïtien pour gros manifestation ça est organisé à côté, il y a demandé reddition de compte, il y a demandé lumière sous utilisation comme Petro-Caribé. Pendant nous-mêmes, on a profité pour nous dénoncer une série d'agitateurs qui croient seulement dans le coup d'État. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas fait aucun effort. Coup bon mouvement dans l'arrière, ça a fait au poté au sous-tête, ça a infiltré manifestation pour faire l'obéir, caser vite machine, bouler caoutchouc. Donc, nous avons dit jeunes, pour être vigilants, parce que le mouvement Petro-Caribé, contrairement à ce que les politiciens pensaient, son mouvement cap essayé de redéfinir le visage politique. Peut-être qu'il y a gagné des trois graines dans mitan nous qui infiltrent le système là, tant que moi-même, tant que député l'autre, tant qu'on paquet l'autre député, on paquet l'autre jeune qui entre dans l'administration publique là. Mais je dis à l'important pour nous que le système n'a pas marché, pas gain service, et ceci et au-delà des gouvernements qui se sont succédés, que ce soit gouvernement Martelly, gouvernement Préval, donc gouvernement Aristide, résultat au bas là. Qui n'a pas été au pouvoir, tout le monde a fait un petit coup de pouvoir, que ce soit sous Privé, que ce soit sous Martelly, donc que ce soit sous Préval, essayez des monde, si ce n'est pas de Préval, peut-être je dis, vous êtes capable de jamais sénateur, vous êtes capable de jamais ministre. Donc tout le monde passe pour les résultats que nous connaissons. Donc moi dis, monsieur Damio, faites attention dans le mouvement ça qu'a fait là pour ne pas gagner une rupture de l'ordre démocratique, pour ne pas gagner agitation politique. De l'autre côté, secrétaire général, parti politique Union nationale pour intégrité et réconciliation, Jean-Clarence Renoir, applaudit décision président de la République, Jovenel Moïse prend pour faire quelques changements dans le cabinet présidentiel dans l'idée pour faciliter les plus avancées qui fait dans quatre dossiers Petro-Caribé. L'idée parti Union, Jean-Clarence Renoir, mandé chef l'État pour mettre plus de moyens pour la justice, qui fait travail pendant l'invité personnalité non yo absité dans dossier ça pour mettre disponible pour répondre à question la justice. Il y a un extrait dans le micro, c'est quoi Paki avec Hervé Pierre. Il revient à la justice de déterminer est-ce que moun que yo évoqué yo, est-ce que moun yo ouais yo dit yo coupable ou non. Et nous pas même besoin arriver là pour le défaire. Citoyen en fait pour connaître tout yo même à un certain moment. Mon cher, puisque non mais non bagaille bon retirer comme côté meilleur. Bon mal devant la justice pour me blanchir tête moi. La pi bon pour président pour gouvernement si me défaire. L'état fait pour respecter bien li yo parce que bien l'état c'est bien tout monde ni l'argent l'état c'est l'argent tout monde. Et si ou gagne l'argent l'état dans mon pour gérer, faut parer pour rendre compte. M'a répété puisque dans la télévision nationale, un petit bagaille qui est intéressant. Que moi dit déjà pour unir. Pour qui ça un monde qui travaille à la banque. Banque privée yo.
leur arrivé dans le matin, ou son caissier, ou bien son caissier, ils ont une quantité quoi pour qu'elle soit. Au travail de 9h à 4h. Mais à 4h, pas qu'elle la carrière, non. Tant qu'on va rendre compte de qui sont fait à l'agent, c'est la notion de reddition de compte. Il est vrai qu'il y a des firmes qui touchent des corps pour exécuter des travaux que va jamais faire. Il est vrai qu'il y a des firmes de supervision qui ont bail l'agent pour superviser un travail qui n'est pas fait, qui peut encore là. Mais on ne peut pas dire que l'État va l'affaiblir, l'État sortit renforcé, au contraire. Donc, maintenant, pas oublier, c'est la justice qui doit sanctionner. C'est ça pour nous qui est dans toute bagarre là. Il y a un monde qui est soupçonné, pas lui dire qu'il est coupable pour autant. Il y a des explications pour le vin bail. Faut être prêt pour le bail explication. Et il faut pas peur, l'on met nos monde qui t'a gagné l'argent. Non, mais c'est pour l'État qui a récupéré l'argent. Mais c'est seulement la justice à prononcer lui, monde ça, il est coupable ou non coupable, il y a qu'on est. Et c'est pour nous éviter que la justice populaire qui fait, faut que la justice institutionnelle là, il renforce. Et c'est ça, président, qui peut le faire qu'on y a là. C'est quitter justice là indépendant, mais balle les moyens pour le faire travailler sans menace, sans contrainte, sans politiser. C'est le ça, nous allons renforcer état de droit et renforcer société. Premier ministre Jean-Henri Séan salue intérêt population haïtienne là pour connaître qui côté COB Petro-Caribé a fait. PM l'a expliqué tout de suite, il est arrivé dans tête gouvernement, il écrit tout ministère qui était impliqué dans la gestion fonds Petro-Caribé pour soumettre tout dossier au soit contrat qui était passé dans cadre ça. Chef gouvernement dit qu'il était prend décision ça à cause Palma haïtien était déjà soumettre un dossier qui gagne 25 compagnies qui était gagne contrat dans Mayo. Nous invitons à suivre. Président prend lui-même côté par quelques dispositions. Chaque discours fait, lui réitère devant le peuple, devant la nation, il faut faire le procès Petro-Caribé. En plus, le monde a dit ses paroles. Lui joint la parole aux actes. Lui poser des actes qui fait que clairement, tout le monde voit que l'objectif là, c'est arriver à faire un procès. Faire un procès dans de bonnes conditions. Des mondes qui étaient indexés, même qui bob que le président pas dit coupable, personne pas dit coupable. Mais pour la sanité de sa fait là, eh bien, président décidé faire mon ça pour un camp pour côté et lui débarrasser environnement de monde qui a pédé indexé qui n'a pété au Caribé, sans pour autant reconnaître que mon ça coupable de quoi que ce soit. C'est la justice qui a dit qui est-ce qui est coupable, qui est-ce qui n'est pas coupable. Donc moi-même, engagement, ça a que me prendre en déclaration de politique générale, moi, je commence tout de suite à faire mise en œuvre. Premièrement, avec dossier Sénat de bon moyen, moi, avec l'équipe que je forme dans la primature, je vais disséquer pour nous déjoindre les compagnies. Et comme il était difficile à travers le dossier tel qu'il était présenté pour me une compagnie et contrat, moi écrit tous les ministères qui étaient pour avec Petro-Caribé pour me demander pour mettre à disposition tous les contrats et signaler toutes les compagnies qui étaient participées dans Petro-Caribé. Ce qui est fait et par les ministères et par les autres organismes tout, qui te participé dans dépenser comme Petro-Caribé, dont BMBAD, qui bon moins tout, les documents que me demandé. Sans bataille, côté que nous jouons Petro-Caribé en priorité, mais sans bataille contre la corruption elle-même. C'est ça qui est inscrit dans l'action et c'est ça tout qui en dans déclaration de politique généralement. Tout le monde qui gagne l'argent Petro-Caribé dans main, qui mal acquis, a bien pour remettre yo, et la justice a poursuivi. Donc, nous cherchons la vérité, tant dans le secteur public là, que dans le secteur privé. Pas que personne, mais personne au-dessus de la loi. Nous avons écrit le ministère, parce que c'est eux-mêmes qui te mettent d'ouvrage. Nous avons des contrats que bah, nous et gagné des compagnies en général que nous signalons. Nous. Et nous-mêmes, nous constituer une task force avec certains ministères et des spécialistes de la primature qui ont pour le travail pour analyser les documents, tous les documents qui concernaient Petro-Caribé. Nous avons instruction à certaines institutions qui ont un rôle de travailler sur les crimes financiers. Donc,
ULCC, UCREF et IGF, qui c'est Inspection Générale des Finances. Nous demandons au commissaire gouvernement et nous réitérer plusieurs fois que le dossier que nous avons, il faut le faire suivi sur eux. Et c'est ainsi que nous connaissons depuis quelques jours, il y a un mandat de comparution qui est décerné. Nous faisons des visites et nous engageons à bailler toutes les institutions de l'État qui impliquées dans la question recherche de la vérité sur Petro-Caribé, tout ça a besoin, matériel, équipement, encadrement, a besoin pour que le jour soit fait sur la question. De l'autre côté, Premier ministre Jean-Henri Seyan a annoncé création d'une commission indépendante qui a bien pour chercher vérité sous gestion Petro-Caribéa. Commission ça a bien pour un film étranger gouvernement a choisi pour travailler avec lui. Chef gouvernement dit y a bien pour contacter diverses organisations dans la société civile là, tant ANMH, AMI, AJH, Petro Challenge, secteur affaires, comptable agréé, religion pour la paix, l'église et l'autre encore dans cadre mise en place commission indépendante. Nous invitons à suivre un extrait. Dans cette recherche de la transparence et le souci de la participation des citoyens dans le combat, citoyens qui sont dans la rue, qui ont demandé un seul bagage pour participer dans le combat que nous avons mené, nous décidons d'annoncer jeudi à la nation que nous avons créé un commission indépendante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement là-dedans. Une commission indépendante pour la recherche de la vérité sur Petro-Caribé. Commission ça, nous allons adresser nous à des institutions crédibles de la société civile. Nous allons adresser nous à partis politiques et tout. Nous allons adresser nous à jeunes que nous avons identifiés qui n'ont Petro Challenge. Nous allons adresser nous à certaines personnalités crédibles de la société et nous allons mettre à la disposition de cette commission un film étranger que eux-mêmes ont choisi, que le gouvernement a payé, que le gouvernement a encadré pour que la recherche soit faite. Tant dans l'audit, dans le contrôle, mais dans la traçabilité comme Petro-Caribéa, qui côté l'aller pour nous connaître, côté l'aller pour nous aller, côté Mounioye pour nous aller. Entre temps, nous-mêmes, nous continuons l'action, nous, parce que nous engageons, nous, et de côté par nous, parce que nous-mêmes, nous pas qu'à entrer dans la justice. La justice, c'est la justice, nous avons quitté la justice de travail. Bien que nous avons veillé, nous avons aidé, nous avons demandé la presse aider nous veiller. Je nous ai prêté l'ouvrir. Mais nous avons continué le travail, nous, en dans le gouvernement, nous avons continué le travail, nous accompagnement, nous avons continué à analyser le dossier, nous avons continué à chercher le dossier. Côté, ma vie, pour nous tous, il y a un livre que je m'en ai fait, qui a toute résolution, tout accord et tout procès verbal que la presse parle de la main. Nous avons gagné à NMH, nous avons gagné à AMI, nous avons gagné à AJH, nous avons gagné les églises protestantes et catholiques. Nous avons gagné les gens que nous avons identifiés dans Petro Challenge. Nous avons gagné la société civile organisée, le secteur privé des affaires, le collectif du 4 décembre, les organismes de droits humains, les partis politiques, les intellectuels qui ont signé l'appel, les associations patronales, les chambres de commerce, la fédération des barreaux, l'ordre des comptables agréés, religion pour la paix, l'université et toute personnalité que nous connaissons, que nous connaissons, qui sont des personnalités crédibles dans la société, que nous connaissons. Tout le monde sait, a gagné, nous pouvons contacter dès jeudi et me proposer, dans la mesure du possible, que mercredi, nous gagnions une réunion avec eux. Et jeudi, nous sommes capables de rapporter par la presse qui s'est dans la réunion. Et éventuellement, si vous avez le temps, qui est capable de sortir les membres de la commission
qui pas personne que le gouvernement choisi, qui pas choisi par moun sa yo, et d'autres moun qui nécessaire qui pourrait yo. Arriver à un procès pétro-caribé juste et équitable. Un procès pétro-caribé juste et équitable. Dans la transparence, que tout le monde est capable de suivre, tout le monde est capable de questionner. Et le gouvernement a pris disposition pour que les ouverts, des observatoires, ça, que nous allons mettre en place, pour que tout le monde puisse poser question sur toute bagaille, il ne va pas comprendre. L'autre dossier, dans l'occasion 60e conférence lundi la presse, ministère communication recevoir lundi 22 octobre la directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis. Directeur général a parlé sous disposition EDH à prendre, coup travail, rénovation, réseau transport, lit y a mené contre fraude, et puis tout recouvrement facti, EDH bail. Yon contrat dit à Rachel Saint-Fort et puis Hervé Pierre. Travail pour offrir population service qualité en quantité et en façon durable. C'est principal objectif responsable électricité d'Haïti au bail tête selon directeur général institution Hervé Pierre-Louis. Pour travail ça arrivé fait pour EDH arrivé augmenter qualité service la pour offrir en façon cap dire faut toute composante système nan marché selon directeur général EDH là qui fait qu'on est client EDH au gain rôle payo pour jouer pour venir payer bordroyo avant date limite là. Directeur général Hervé Pierre lui expliquer à partir SMS client EDH qui a vérifié montant au droit sans pas déplacer. Vous recevez votre droit, vous bien garder en haut à droite, votre droit, vous pouvez date limite pour payer. Dans votre droit, tout gagner une information importante pour nous connaître. Lire les NIC, numéro d'identification du contrat. Dans chaque droit, en haut à droite, un peu en bas date limite là, EDH ba une possibilité venir je dire pour que vous capable consulter à l'aide de une plateforme, vous voyez un SMS, vous voyez Nikou et puis système là tout dit vous mais comment corps vous doit. Vous va entrer deux stars, star star, vous va entrer Nik là et puis vous voyez message là dans 40 88 77 77. La ba ou soldo. Son façon pour pas dire, si vous devez EDH pas arriver à l'heure, EDH bon possibilité pour qu'on comme encore vous doué. Puis loin, directeur général EDH l'a expliqué à partir d'action menée à travers le département lutte contre faute EDH et puis grâce à concours la police et la justice, ils ont vu collecter plus de 4 millions de goudes et puis arrêter 128 fraudeurs. Côté que somme ça a sorti, 4 millions. 4 millions de gouttes là, c'est amende. Amende ça représente un petit montant. Il n'est pas représenté rien dans la valeur cobre que l'EDH perdu. Eh bien, c'est particulier. Monde qui était dans la fraude, la police, la justice a arrêté. Éviter catégorie ça, venir dans bon catégorie. Environ 17,2 milliards de gouttes, c'est montant d'aide globale pour différents secteurs dans Port-au-Prince et province, selon le directeur général EDH, Hervé Pierre-Louis. Pour résidence, Port-au-Prince et province, dette clientèle, dépassé 9 milliards de gouttes. Commerce, là, Port-au-Prince et province, dette dépassé 1,2 milliard de gouttes. Pour industrie, dette là dépassé 1 milliard de gourdes. Éclairage public, lampe nouvelle dans la rue. Dette là 3,7 milliards de gourdes. Organisme autonome. Pour Port-au-Prince et province, dette là dans 697 millions de gourdes. Organisme public. Yo doué EDH 1,3 milliard de gourdes qui fait que dette globale là dans 17,2 milliards de gourdes. Pour moi, août 2018, là, d'après Hervé Pierre-Louis, sur 2578 clients qui font partie catégorie grand client EDH, c'est 1330 clients qui payaient. Ça qui baille un taux recouvrement 52%.
Pour Pétionville, direction commerciale livrée 36 313 Bordereau, c'est 6 455 clients qui payent, un taux 18%. Pour Port-au-Prince, sous 21 700, c'est 5 044 qui payent, soit un taux 23%. Pour Delma, sous 29 787, c'est 6 953 qui a payé, soit un taux 23%. Directeur général Hervé Pierre, lui, renouvelé engagement responsable EDHO pour continuer travail, pour offrir population service qualité, quantité, pendant l'y inviter client EDHO pour payer des tuyaux, pour faciliter l'institution faire travail comme ça doit. Travail pour réhabiliter divers tronçons routes dans quoi des bouquets a continué. Une équipe télévision nationale d'Haïti visitée pendant week-end là, qui j'en travaille avancé, surtout sur route principale quoi des bouquets. Lionel Jean-Louis ak Wilson Idoré Abdinopolis n'ayant contredit. Travail pour réhabiliter divers tronçons routes dans commune quoi des bouquets et spécialement zone Kafou Marassa avancé à grand pas. Directeur départemental l'Ouest MTPTCA, ingénieur Andy Jean-Louis, indique tronçon route ça qui était mesuré 6 mètres large pour le passer à 14 mètres large. Ingénieur Indy Jean-Louis expliquait divers autres travaux qui déjà fait dans le cadre de réparation route quoi des bouquets mal passe là. Nous commençons sur pont d'abord là, nous descendons pour nous arriver Kouta et nous avons l'autre équipe qui travaille normal de mal passe pour venir fond parisien dans même quatre programmes ça. Là nous sommes presque dans la phase finale, nous commençons à mettre en route bien que il y a l'autre pile travaux qui pour faire encore pour faire que n'a fait. Je regarde route là tout le monde content, tout le monde dit belle mais pour quoi route là parce que nous avons pile bagaille nous va le mettre. Nous avons un caniveau qui a commencé à faire sous pont. Nous avons un plein central qui nous avons pour mettre. Nous avons une route à Yoboaïa. Et nous avons 14 mètres de large. En fait, à plus de 14 mètres de large, nous faisons des heures de stationnement. Les camionnettes arrivent, ils vont mettre au mon atelier. Ils ne peuvent pas le camper dans la voie. Nous faisons des voies, nous faisons heures de stationnement pour les camionnettes camper pour mettre mon atelier. Juste pour nous capables d'éliminer un embouteillage dans la zone. Nous travaillons aujourd'hui à la route de la Médassoit. Pendant ce temps, sur route, nous avons un grand bois. Pour ce petit Thomas, nous avons un grand bois près de 25 mètres. Nous avons coulé le béton. Nous coulons les béton vers 7 à l'année, nous finissons les béton, n'a pas avancé avec le tout. Député Kwade Boukeya, Jean-Louis Lejean, montre les très reconnaissants vis-à-vis l'État central par rapport à ressources et puis moyens qu'ils mettaient disponibles pour réhabiliter diverses tronçons routes dans la commune Kwade Boukeya. Député Jean-Louis Lejean dit, il souhaitait travailler ça continuer dans plusieurs autres localités dans la commune. Nan, pendant les mandats de population, continuer à porter collaboration avec responsables. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le travail Kwade Boukeya et c'est ce qui est important. Et nous avons gardé les sorti sous Marassa pour aller vers Famosa. Je pense que le président te promet et faut que nous fassions ça. Nous avons centre du jour. C'est tout ça qui rentre dans la priorité. Nous avons une route noire là, qui rentre dans la priorité. Je dis à Bellefontaine qui rentre dans la priorité. Et parmi les routes nous avons encore, c'est qui rentre dans la route caravane. C'est surtout la route qui allait vers Zoranger pour aller sur dos. Je pense que je dis à nous même bataille par nous, ce n'est pas une bataille d'une façon constante dans la radio, mais c'est une bataille pour permettre quoi des bouquets. Je dis à ça nous est là. Je pense que l'action est plus importante que les verbes. Et je pense que Jodia, c'est dans l'action que nous avons. Et c'est ça qui fait nous prendre toute disposition pour nous dire travail ça, il n'y a pas de camper dans la route. Divers citoyens dans la commune, quoi des bouquets, battent bravo la contentement pour le travail qu'a fait sur la route. Quelques là-dedans ont expliqué que la misère était passée pour mener et puis à chercher petit à l'école à cause de gros blocus. Jodia, moi-même, quand je devais 4 h du matin, je mener tout l'école pour arriver là, sous point là, presque c'était beaucoup arrivé. Et je suis capable de dire demain matin, je vais mettre mon école là, ma presse est différente. Je vais même lever 4 heures, je vais lever 5 heures, 6 heures pour m'aller. Et là, je vais travailler tout. 8 heures, minuit, je vais prendre des heures. Je vais voir qui quitte la machine sous pont à balle, je vais aller à pied. Demain, je vais chercher la machine. Je dis, je vais faire un pour le président Jovenel. Je vais faire un pour le député Jean ou les gens. Mais je dis, là, et ce n'est pas seulement au Dival, c'est presque toute commune. Nous ne pouvons pas continuer à faire ça nous-mêmes. C'est ça que moi-même, je pense ton promesse. Les députés ont fait campagne. Le président Jovenel, il dit mais ça le bras fait, mais ça le bras fait. Moi, je ne suis pas trop quoi. Mais je dis là, je suis tellement quoi. 11 camions bascules, 5 gridets, 4 loaders, 3 rouleaux compactés, 3 camions de l'eau. C'est quantité matérielle qui est mobilisée pour réhabiliter Outsaha, qui a bien pour sortir à l'aéroport de Malari, traverser la commune Kwade Boukeya pour arriver Malpass, d'après le directeur départemental l'Ouest, MTPTCA, ingénieur Andy Jean-Louis. Ville Belade apparaît pour fêter 70e anniversaire. Dans l'occasion, autorité dans la ville ça entreprend travail et aménagement plusieurs bâtiments publics à construction d'un nouveau local pour Banque Nationale Crédit BNC dans la ville ça. Un reportage avec Stéphanie Scholl et puis Wilson Idoré.
Pour marquer 70e anniversaire, ça, autorité a décidé de reconstruire et puis aménager ancien espace club hôtel, centre commercial bazar et ferme agricole dans la ville. Le magistrat Beladea fait connaître, pendant le travail et aménagement, ça a fait, il a créé tout espace pour les gens qui étaient occupés bâtiment ça yo pendant plus de 25 années relogés. En tant que responsable commune, nous avons choisi d'utiliser espace dialogue promesse président de la République là, avant qu'il ne prenne investiture. Il était pour mettre les 3 villes frontalières pour le mettre en valeur et en face surtout Belader qui est situé, qui positionne en face de la République dominicaine. Nous mettons ensemble avec le ministère pour nous voir comment nous sommes capables de gérer les gens pour ne pas laguer les gens dans la rue. Il y a des gens qui ont 23, 25 ans qui occupent l'espace. Faites la séance, faites nationale, il n'y a pas fête communale. C'est tout le monde, toute diaspora, tout le monde contribue ensemble pour nous voir si nous avons fait la fête. Député Ville Belader, Guérin Gershon, Bokote Pal, précise que Moune Belader pral connaît le 31 octobre, tant que le 31 octobre, inauguration ville. Là. Il m'a des populations hein, pour y au plus toujours. Année ça qui baille 70 ans depuis le président du Marseille estime inauguré ville ça. Et nous arrivons sous présidence Jovenel Moïse qui comprend vision que du Marseille estime gain, qui comprend que le développement réel du pays, c'est participer dans la construction du pays. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui à là. Après visite présidente fait dans Belader le 9 mars 2018 à là, où Belader effectivement en chantier, nous connaissons l'autre et 31 octobre qui pareil. Et à 31 octobre que Dumas a estimé lui-même était fait dans Belader. Population lui-même l'a tembé. Jean le braléa, on pays, nous pas gain pays pour nous craser, nous pas gain pays pour nous briser, n'a prêté avec tranquillité à stabilité à surtout c'est lui-même qui va permettre que Haïti sorti côté bien. Toute disposition sécurité et puis pour accueillir touristes qui t'en prend d'après vice-délégué ville Belader qui fait connait moun Belader content et puis remercier chef l'état qui permet de gagner réparation qu'a fait dans ville là. Jodi a moun Belader et moi capable di yo senti que yo vraiment nan pou yo et sous mot ça moi vle et utiliser chapeau de citoyen que me gagne pour et prêter voix tout moun Belader pour que moi remercier et son excellence Jovenel Moïse qui t'est venu Belader qui et permettre que journée jodi a et yon ensemble de réparations qu'a fait qui permettent que Belader pral retourner avec même nom que l'été gagné dans le temps qui c'est la fine fleur du plateau central. Déjà toute bagaille commencé, fait commencer, vini et m'garantis nous que côté sécurité, tout est bagaille et toute mesure prend. Ville Belader inauguré 31 octobre 1948 sous président du Marseille estimé. 31 octobre 1948, 31 octobre 2018, a marqué 70e anniversaire ville ça. L'autre nouvelle, président Sénat Joseph Lambert reconnaît Sénat pas fonctionner normalement dans le cadre de réalisation séance plénière. Il dit chaque période chambre député a allé en vacances toujours un problème ça. Cependant sénateur Joseph Lambert encourage exécutif là voyez projet loi électorale et projet loi finance rectifié à devant parlement pour yo travail sous lien extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Ulrich. On continue le travail pendant que Sénat nous est dans une situation de léthargie et n'a dit c'est des bagailles et pas en première dans l'histoire Sénat. Tout le monde connaît ça. Lorsque la Chambre des députés en vacances, toujours en situation léthargique dans le niveau Sénat, côté de le sénateur a profité tout de moment ça pour au moins aller ouais mandant yo faire ensemble d'activités. Et la réalité c'est que nous avons des dossiers. Nous avons des dossiers qui sont importants pour nous. Nous allons travailler sur eux et nous prétendons que l'exécutif a formellement transféré au bas nous. C'est d'abord la loi électorale, ensuite le budget 2018-2019 que nous attendons avec impatience parce que nous autres au Sénat, revendications, population qui a voté nous allons faire refléter à travers les éléments de budget 2018-2019. Mais pour provisoire en place et pour permanent, pour le permanent, eh bien, processus là, l'a suivi coulé. Mais processus là pas avancé et l'a fait et l'a bon conseil électoral dans le moment où toutes conditions politiques et sociales sont réunies. Mais la réalité, c'est que je ne vous dis pas, nous ne sommes pas en panne d'institutions électorales. Parce que
la loi électorale qui était mettée, non, décret loi qui était créé institution électorale, ça, t'est précisé autant de fois que pour un conseil électoral permanent, eh bien, conseil électoral, ça, qui est en place là, a été pour les capables d'avancer avec tout processus électoral. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, la Jobert C. Engrand, visité samedi 20 octobre la deuxième section Grande Plaine, commune Tomazo. Visite sa fête dans le cadre de lancement campagne agricole hiver ministère. Un reportage à Roosevelt Desrosiers et puis Jean-André Chéry. À travers visite sa, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, la Jobert C. Engrand, te fait environ rond dans Saline Coustard, à Ximilso. Deux zones dans la deuxième section Grande Plaine, commune Tomazo. Dans Saline Coustard, ministre Engrand, tu as constaté travail canal irrigation, un combi de cultivateur, à quelques citoyens, tu réalisé grâce à support en matériel ministère. L'initiative ça te prend dans l'idée pour combattre sécheresse qui t'a malmené deuxième section Grande Plaine depuis 4 années. Nous avons commencé le 6 août. Donc, l'année a commencé, nous avons commencé avec 150 habitants. Et maintenant, sous base ça, la population continue à augmenter dans le travail d'irrigation. Et après ça, nous avons pris le temps pour nous inviter le directeur phylogène, comment nous sommes capables d'accompagner. Donc, finalement, maintenant, deux semaines après, nous avons venu à une pelle mécanique. Et la pelle mécanique, ça te permet que dans un mois, quelques jours, nous arrivons à venir avec l'eau. Le canal là, il est situé sous 4000 hectares de terre. Mais l'eau qui là est capable d'user seulement environ 1000 hectares. Zone liée à oser c'est Dumleso, Saline Kousta, en partie. Et nous avons Bagorman, nous avons Boutin qui sont en grande habitation en dedans, deuxième grande plaine. Rivé dans Dumleso, ministre Jobert C. Engrand, t'es chita parler avec quelques citoyens. Plusieurs en yo, t'es exprimé reconnaissance pour si pas gouvernement pour tes bayo. Cependant, je souhaite plus encadrement dans l'idée pour aider deuxième section grande plaine développer. N'a pas demandé ministre là en premier lieu, pas oublier nous dans spécimen qui gagne spécialement pour bête, cabrit, poule, mouton, etc. Bon, au contraire, moi tellement mal et loin, je dis dans 3, dans 4 ans encore, si mon cap fait, je ne vais pas prendre ça les bœufs, je ne vais pas prendre ça les cabrit, etc. Parce que non seulement l'élevage là est difficile, parce que nous, quand si la pluie pas tomber et pas gagner, Zèb poussé, pas gagné élevage. Pas oublié, plantio, pas connaît. Parce que ici, dans la zone deuxième section, pas gagné vraiment à fruitier. Mounio, l'œil a planté. Il a besoin d'encadrement. Ministre de l'Agriculture, ressources naturelles et développement rural, là, promet le gouvernement à continuer à accompagner la population grande plaine. Non. Il rassure les habitants. Yo, ministère a voué plus matériel, semences et bétail pour yo. Dans quatre visions, président, nous connaissons qui dit qu'il faut mettre manger dans l'assiette pour yo. Donc, le gouvernement Moïse a ramassé la vision Sahara pour nous capable permettre que les producteurs viennent manger et ils sont capables de vendre de l'eau, ils sont capables de vendre des semences et ils sont capables de travailler. Donc, ici, nous venons non seulement les tracteurs que nous avons déjà baillés, les semences que nous avons déjà distribuées, nous venons garder ça, les producteurs commencent à faire avec eux. Effectivement, nous capable de dominant non seulement nous avons une terre qui déjà gagne de l'eau sur et nous avons jardin maïs et l'autre bois nous sommes gardés jardin du riz et même gagne betterave qui planté. Donc on côté qui était presque on nous dit sécheresse t'a manger mon yo actuellement. Donc la vie après continuer après commencer campagne agricole hiver ministère agriculture ressources naturelles et développement rural là visé pour des supports par secteur agricole là dans différents coins dans pays là. À travers campagne ça, le ministère compte distribuer semences, bétail et puis bail formation à l'agriculteur. Et c'est sur notre salle, amis téléspectateurs, nous mettons en bout dans la deuxième sortie journal mi-temps journée pour semaine ça. Nous remercions pour votre attention et fidélité. Restez sous TNH pour la reste programmation. Bon après-midi tout le monde.